corps. Donc j'ai beaucoup connu les anciens combattants, Indochine, Algérie et celle de la Première Guerre. Il n'y a jamais eu, comment dire, une union entre eux. C'est-à-dire qu'il y avait trois drapeaux, quoi, pratiquement. Il y avait un malaise. Et je pense que ce qui a beaucoup fait du bien aux soldats qui ont fait l'Algérie, c'est qu'enfin, ils ont reconnu que c'était une guerre. Et ça, je crois que ça a été très important pour eux, parce que pendant des années, les événements, c'était quelque chose qui était de travers.